Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. Si vous tombez sur ces spoilers, il y a une seule chose que j'ai envie de vous dire ne regardez pas les spoilers cette semaine. Regarde pas cette vidéo, tu pourras la regarder directement à partir de vendredi quand tu auras le chapitre. C'est la première fois que je vous dis ça, euh, premier degré sur One Piece. Je disais souvent regarde pas cette vidéo, regarde pas cette vidéo. Mais euh, au niveau des émotions, au niveau de ce qu'a voulu apporter l'auteur depuis. Presque 10, 15 chapitres, qu'on a le début de ce combat entre Sukuna et Gojo, je pense qu'il faut lire conscieusement, consciencieusement page par page, le dénouement, le climax, le cliffhanger que, que nous prépare cet auteur. Je pense que même tout Jujutsu Kaisen nous prépare à ça, en fait. Euh, donc, essaye d'en profiter euh, de la plus correcte des façons. Si tu es là, c'est que tu veux savoir, c'est que tu as craqué, c'est que tu as lu euh, les informations, ou en tout cas tu, tu veux savoir. Le début ne m'a pas tout de suite mis la puce à l'oreille, puisque dans la première page, tu vois Ghetto qui rejoint Satoru Gojo à l'époque du flashback qu'on a eu euh, en animé, la première partie de la saison il y a pas très longtemps, et ils échangent. J'ai plus la teneur des propos de la première discussion, mais de la première page. Mais il parle un peu de Satoru Gojo et notamment de son père et je pensais qu'on allait peut-être avoir un développement à, à ce niveau-là, mais euh, Satoru Gojo botte en touche, expliquant qu'il l'a confié à Shoko, mais son père a eu une maladie ou un truc comme ça. Ça parle autour du fait d'être seul euh, au moment de la mort. On parle beaucoup de la solitude dans Jujutsu Kaisen et notamment la maîtresse de Sukuna lui avait dit "Je comprends à quel point tu es seul." C'est une phrase qui, est, qui revient souvent dans les mangas et souvent pour les antagonistes qui ont une puissance démesurée. C'était le cas avec Aizen et Chigo. Quand Urahara demande à Ichigo, bah, c'est quoi ton impression lorsque ton sabre a croisé celui de Daizen Ichigo lui dit, c'est une étrange solitude que j'ai sentie. Au final, peut-être qu'Aizen a fait exprès de perdre contre Ichigo pour, un temps soit peu avant la mort, sentir que quelqu'un était capable de comprendre au niveau de la puissance. Quand tu a une puissance trop démesurée, tu peux ne pas être compris. Et c'est quelque chose qu'on avait retrouvé dans le combat de, de Sukuna avec son ex, son ex-femme. Son axe euh, maîtresse, je crois. En gros, Sukuna, tu es le plus puissant euh, depuis mille ans, etc. Mais euh, c'est flagrant de voir aujourd'hui que tu cherches quelqu'un avec qui t'amuser, quelqu'un comme toi. Et ce quelqu'un aurait pu être euh, Satoru Gojo. On avait aussi ça dans le flashback au final. Satoru Gojo, quand il a commencé à développer ses pouvoirs, notamment avec l'énergie occulte inversée, ça l'a complètement séparé de Ghetto après sa victoire contre euh, le père de, de Megumi. Et, euh, et, euh, et donc, c'est des questions qui reviennent. Au moment de la mort, tu es tout seul. Mais ça ne te met pas encore vraiment la puce à l'oreille. Euh, puisque bah, tu as des petites pistes. Peut-être qu'on va avoir des informations sur le père de Sato Gojo, etc. Ça pourrait être méga, méga intéressant. Et sur la page qui suit, tu as Gojo qui parle, je crois, de victoire et qui dit bah, J'aurais bien aimé, euh, Ghetto, que tu sois là pour mettre une table dans le dos pendant le combat. Tu as une seule image du, du ghetto du présent. Euh, mais ça avait l'air d'être une discussion. Et là, tu as deux options dans ta tête. Euh, et déjà, ça va apporter une première réponse. Est-ce que Ghetto est mort Moi, je pensais que non, puisque quand Satoru Gojo est enfermé par la lisière du supplice, il s'attrape euh, le cou, s'étrangle lui-même, euh, Kenjaku. Et j'ai pensé que, à ce moment-là, on aurait un espoir de revoir Ghetto. Donc. Dans ce flashback-là, ça t'amène pas uniquement vers une piste du coup, de la fin du combat entre Sukuna et, et Satoru Gojo. Ça peut aussi t'expliquer euh, l'état de ghetto. Euh, suite à cela, tu as Nanami qui intervient, et je n'ai pas commencé à comprendre. Pourtant, c'est une mise en scène qu'on avait déjà eue dans Jujutsu Kaisen, et que j'avais trouvée particulièrement intéressante. C'est aussi une mise en scène que tu as dans Vagabond, euh, sur un des personnages. Au moment euh, où quelque chose lui arrive, il a une certaine façon de voir euh, les choses. Et j'aurais bien, bien aimé la voir à la fin de John Wick 4. En fait, à la fin de John Wick 4, euh, j'en parlerai en fin de vidéo. J'avais imaginé une mise en scène de fin. Je ne sais pas si tu regardais les John Wick, mais c'était particulièrement intéressant. Quand un ami vient, on lui demande son expérience à propos de la mort. Ah, avant ça, il fait une remarque intéressante. À un ami il dit oui. Euh, nous sommes tous des exorcistes et on est envahis par le poids de nos responsabilités, celle de protéger les civils. Mais toi, Satoru Gojo, tu as été le seul à prendre cet univers du jujutsu, de la sorcellerie, pour euh, accomplir ton égoïsme personnel. En fait, tu es tellement puissant que pour toi c'est un jeu. Euh, on se repose la question de la discussion entre Nanami et Geto. Est-ce que finalement on ne devrait pas donner toute la responsabilité à Satoru Gojo Oui et non. Et lui, en fait, tu deviens tellement puissant que pour toi c'est un jeu que... C'est de l'égoïsme. En fait, pour tout le monde, le monde de l'exorcisme est un poids immense, notamment pour Ghetto, rappelez-vous. Alors pour Satoru Gojo, tu t'éclates. Pour toi, c'est le plus beau des cadeaux. Tu es né avec euh, le pouvoir de l'infini et le sixième œil. Euh, quoi de plus magnifique Pour pouvoir s'extasier, se découvrir soi-même, finalement. Ensuite, il y a une question plus ou moins philosophique qu'on pose c'est. Euh, sont dans un hall d'aéroport, euh, tous, euh, peut-être un, 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 un rappel à Lost. Rappelez-vous du dernier épisode de Lost. Il y a tellement de choses à dire et de parallèles avec, euh, avec d'autres séries dans, dans, dans ce chapitre. On va prendre le temps de, de tous les, les développer, bien sûr. Mais rappelez-vous du dernier épisode de Lost c'est dans un avion. Et là, ils sont dans un aéroport. Et, et un ami, on te pose, des questions, euh, on lui pose la question oui, au fait de la mort. Et c'est là que tu captes, en fait. Je crois que c'est là que j'ai commencé à capter le délire de la mise en scène. Tu as deux façons d'apprendre les choses. Ou tu regardes vers le sud ou tu regardes vers le nord. Tu regardes vers le nord, en gros, euh, bah, tu es fier de ce que tu as accompli. T'es es toi-même. Tu regardes vers le sud, tu, tu sors de ta zone de confort, de ce que j'ai compris. Hein. Bien sûr, il faudra relire. Euh, tu vas vers du renouveau. Tu, tu, tu avances, tu oublies le passé. Donc vers le nord, tu regardes le passé, tu es fier. Euh, vers le sud, tu oublies le passé, quelque chose comme ça. Et là, euh, je commence à comprendre. Première signature, tu as le, le jeune exercice à. Euh, Nanami, Nanami, Aiba, un truc comme ça, celui qui parle à Ghetto dans le flashback juste à côté de la, du distributeur de canettes et qui est assez fier. Ouais, je dans une mission d'exorciste, nanana, et qui meurt finalement. Et du, du coup, Ghetto et Nanami ont la discussion bah, est-ce qu'on devrait pas donner toutes les missions à Saturgo Gojo finalement Parce que si c'est pas lui qui les réalise, l'exorciste, même lui, qui était euh, il était trop happy, il était content. C'était un jeune. Ghetto, il avait déjà euh, effectué plusieurs grosses missions. Il connaissait un petit peu la noirceur du monde qui l'entourait. c'était pas le cas de ce jeune exorciste. Et tu le vois à ce moment-là, euh, et tu te dis putain, attends, euh, Ghetto, possiblement mort. Euh, Nanami, ce petit jeune. Et ensuite euh, le flashback continue et tu vois euh, leur prof, je ne me rappelle plus, le prof de ghetto et de, et de Gojo. Et là tu te dis, waouh, putain de mise en scène quand même. Ça sent la fin pour Saturn Gojo. C'est une chose que j'avais dit. Que j'entrevoyais ou un match nul ou la défaite de Saturn Gojo. Tous les chapitres m'ont donné tort, mais je disais quand même, c'est beaucoup plus intéressant pour la suite du manga. Euh, si Gojo gagne, finalement, il va pouvoir rencontrer Kenjaku. Donc ça, c'est une chose que je me dis, c'est hyper intéressant, parce que s'il rencontre Kenjaku, c'est forcément potentiellement Geto. Mais là, on a cette réponse-là. Si tu vois Geto mort, c'est que Kenjaku est uniquement Kenjaku. Et dans ce cas-là, la confrontation psychologique, Gojo-Kenjaku ne sert plus à rien. Moi, j'aurais voulu que les deux ennemis se, se revoient une dernière fois. Mais, mais, mais Ghetto est déjà mort. C'est ce que tu comprends dans ce flashback-là. C'est pour ça qu'elle a une double réponse. Tout le monde était pour l'avènement de Satoru Gojo. Euh... Et c'est normal, puisque depuis le début de l'œuvre, on ne fait que te répéter que Satoru Gojo est le plus fort, euh, qu'il gagne quoi qu'il arrive, qu'il gagne seul. Et. Tout le monde en lisant le manga s'est dit bah oui forcément il va encore gagner surtout que la teneur du manga c'est cette qui gagne du début à la fin et je vous ai dit dans toutes les vidéos précédentes et je suis content si c'était si une personne qui regarde toutes mes vidéos généralement quand tu gagnes un combat et quand tu le mènes de A à Z tu le perds à la fin mais normalement le retournement de situation tu le vois dans le combat là JJ Akutami a été plus loin il nous a surpris tout ce que je demande en tant que lecteur c'est être surpris c'est que la défaite arrive à la fin après l'annonce de la victoire de Satoru Gojo. On a annoncé les victoires de Satoru Gojo. En tout cas, c'est le public qui l'a dit. Et il fallait avoir un certain esprit retort pour dire, malgré ça, hmm, j'ai quand même un doute. C'est la première fois dans l'art du manga que tu vois que le gagnant du combat ne met pas, pas un seul coup franc. Ne met même pas un seul. Euh, n'a à aucun moment du, du combat pris euh, le dessus finalement. Mais c'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Mais je suis dans un état, je pense que j'ai très rarement eu autant d'émotions en lisant les, les, les chapitres, euh, les, les spoils. Euh, ce chapitre est légendaire, ce combat est légendaire. Il y avait des gens pour et des gens contre sur ce combat. Beaucoup, je pense, n'ont pas compris tout l'arsenal technique qu'il y a derrière. C'est un des combats les, les plus magnifiques au niveau de la technicité, au niveau de l'utilisation des règles euh, de l'énergie occulte et de tout le, 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 le l'or euh, de pouvoir expliquer jusqu'ici l'extension de territoire, le prolongement du territoire, les barrières, les effets de barrières. Euh, il a fait la liste de Jeji Akutami, les rayons noirs de tout ce qu'il a développé. L'infini. Et il a décidé de le traiter pendant ce combat. Et d'une manière magistrale. Ce, ce combat, c'est une masterclass. Je suis désolé. Euh... Et la fin. Cette mise en scène avait déjà été, été utilisée, j'ai dit avant, avec le chien quand Ghetto dans le flashback affronte un vieux. Et, le vieux, et pour nous expliquer que le vieux est mort, tu fais une confrontation entre le personnage et un fantôme de son passé, là notamment son chien. Donc il découvre son chien, il est tout content, et là il comprend. Parce que son chien est mort. Donc s'il est là à le rencontrer, passer la joie, quand euh, l'intellect revient, la perspicacité revient, passer l'émotion de retrouver un être cher, il comprend qu'il est mort. On a cette même scène dans Vagabond. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Juju Akutami fait une référence directe à Vagabond dans le combat euh, du tournoi de le, des écoles d'exorcistes, Tokyo contre Kyoto. Tu vois euh, le héros principal, Yuji, en train de baver. C'est une référence à Vagabond du combat euh, de Miyamoto Musashi euh, dans la plaine contre euh, le petit de l'école, euh, le, le grand frère de l'école, euh, je ne me rappelle plus. Il y a deux frères qui l'affrontent. C'est quand il affronte le grand frère. La deuxième référence à Vagabond. C'est une deuxième référence à, à, à Vagabond, puisque dans Vagabond, dans l'arc euh, où il devient paysan, euh, si tu veux, il y a un vieux pareil qui est plus ou moins protecteur du village et qui va retrouver euh, les gens qu'il a connus pendant sa vie, euh, et qui va être dans ses bras avant de, avant de, avant de, avant de mourir finalement. Je crois que tu as la même chose avec... Euh, as, as euh... C'est une façon très poétique. Et dans John Wick 4, à la fin, quand John Wick meurt au Sacré-Cœur, j'aurais aimé qu'il voit sa femme en fait. Pour te faire comprendre subtilement qu'il est mort, pas qu'il s'écoule par terre, mais qu'il rencontre sa femme. Tu dis putain, mais t'es là. Et, euh, et son chien. Rappelez-vous, son premier chien. Et le film, tu le finis comme ça, il est magnifique. Tu dis pas que la personne est morte, tu le comprends. Bon, là, on aura les deux, mais tu, tu vois ce que je veux dire Et donc, la, 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 la... la scène revient dans le présent. Euh... Bon, vers la fin du, du flashback, je commence à comprendre. Et, euh, et tu vois sa photo, sa tête euh, morte, et dans l'expression du visage ébahi de Satoru Gojo, tu comprends que dans le détail du dessin, dans l'expression faciale, dans, dans les yeux, euh, regard vers le vide, tu comprends que c'est pas un Genjutsu, ce n'est pas une pirouette, ce n'est pas un truc. Euh, il a dessiné une personne morte. Il n'a pas dessiné une personne en train de se faire tuer. Il a dessiné une personne morte. Et euh, tu vois le, le, le visage serein de, de Sukuna par la suite, face au buste debout de Satoru Gojo. Je ne sais pas si c'est l'auteur qui le dit ou, ou une réflexion, mais euh, il est resté debout finalement, qui, enfin, tout en étant euh, complètement mort. Et, euh, et Sukuna dit, euh, à quoi sert l'infini puisque tu peux tout trancher dans ce monde Une phrase un peu facile et il t'explique un peu, je n'ai pas trop bien compris, que c'est le Mahuraga finalement, le... La gestion de l'adaptation de l'infini de Moraga qui fait que, in euh, il s'est de plus en plus adapté. Et euh, en plein dans ce combat, il a trouvé l'ouverture pour Satoru Gojo. Je, je, je m'en branle en fait de, de l'explication. À ce moment-là, l'émotion est telle que je m'en branle. On a vu tout le génie de Satoru Gojo pendant ce combat. Je vais faire une vidéo détaillée comme Jaja de, de ce combat qui reste pour moi le meilleur combat tout confondu. Euh... Hachimè, le dieu de la foudre, qui va suivre ce combat. J'ai lu une seule fois les, les, les chapitres après les tomes. Il s'était battu contre Kinji, je crois, euh, et il me semble qu'il avait une, une forte volonté de, de, de se battre contre Sukuna. Il reste très peu de chapitres. Jeji Akutami avait dit que la fin de Jujutsu Kaisen serait cette année. Peut-être qu'on s'oriente vers euh, le premier manga puisque finalement c'est pas le cas de, de, de l'attaque des Titans. Euh, qui va peut-être se conclure sur une bad end et une victoire des méchants. Simple euh, et brutal. Ce qui serait l'apothéose qui ferait rentrer Jujutsuka au panthéon des œuvres euh, les plus mythiques. À mon sens. À mon sens. Beaucoup de gens avaient dit que Satoru Gojo allait gagner beaucoup de youtubeurs. J'ai reçu beaucoup de commentaires. Parce que pour certains, supporter ou être supporter, et je dirais même plus, supporter le gagnant, est plus important qu'avoir finalement un réel questionnement sur les intentions d'un auteur, sa faculté à vouloir faire une œuvre, sa faculté à vouloir surprendre. L'art, c'est l'émotion. Quand je t'ai dit que j'ai lu ce, ce chapitre et que j'ai reçu une émotion, euh, même Hunter x Center et One Piece ne m'ont pas fourni autant d'émotions, ne m'ont pas autant choqué. J'ai fait des vidéos de Twitter sur ce matin en me disant, mais putain, qu'est-ce qui se putain de passe, motherfucker Et j'ai reçu des insultes par commentaire. Gojo ne peut pas perdre, t'es con, t'as rien compris à l'œuvre, machin truc. Tu, tu, tu vas dans mes commentaires de mes dix dernières vidéos, c'est que ça. Et je vous ai dit non. Il y a aussi un élément qui nous est donné euh, dans le chapitre où euh, apparemment Gojo s'est autant développé, a mis autant d'énergie dans le développement de ses capacités physiques, physiques et de ses sorts, physiques, psychiques et ses sorts, pour. Euh, avec objectif de dépasser euh, Sukuna. Donc euh, c'est cool de voir aussi que. Euh, c'était pas n'importe quel combat pour, euh, pour Satoru Gojo. Voilà, c'est bon à savoir. Profitons de cette œuvre majestueuse. Et, euh... Et on en reparle ce week-end. Et puis je, je prépare la plus grosse vidéo de ma chaîne sur, euh, sur ce combat. Je vais tout vous expliquer ce que j'ai kiffé, ce que je trouve génial les parallèles avec les auteurs, on va parler de vagabond, on va parler de John Wick, on va parler de Deux Ex Machina, on va parler de tout parce que c'est très joli ce qu'a fait JJ Akutabi. C'est un artiste. Cet auteur est un artiste. Voilà. Je vais continuer ma journée, tant bien que mal. Et euh, bah, mettez vos sensations en commentaire. Très génial. Ciao.